Tu savais que dans la base militaire, il y avait une arme ultra secrète cachée dans GTA V. Il va falloir que tu grimpes en haut de la tour de contrôle pour trouver une carte d'accès. Dirige-toi ensuite dans ce petit bâtiment, tu vas y trouver un faux ascenseur. Utilise la carte d'accès pour alors y découvrir l'arme secrète qui est un lance-flamme ultra cheaté. On va voir 4 secrets dans GTA V. Il va falloir que tu te rendes au niveau de cette chapelle et que tu trouves cette pelle. Une fois que tu as récupéré la pelle, tu vas devoir te rendre dans le cimetière. Tu devras ensuite trouver la tombe où il y a ce petit bouquet de fleurs. Une fois cela fait, il va falloir que tu creuses. Une sorte de cinématique va apparaître et tu vas creuser toute la nuit. Une fois que tu auras fini de creuser, tu vas pouvoir aller découvrir la tombe de CJ de GTA San Andreas. Aux abords de la base militaire, si tu croises des voitures arrêtées ainsi qu'une cage renversée comme celle-ci, fuis et fais demi-tour. Car si tu continues ton exploration, tu vas pouvoir y trouver un espèce de chien robot qui va vouloir littéralement ta peau. Pour le dernier, il va falloir que tu te rendes au niveau du cabinet du psychologue. Une fois arrivé sur son balcon, tu vas pouvoir traverser sa fenêtre et te rendre directement dans son cabinet. Tu pourras tout regarder, même son emploi du temps. Tu vas vite te rendre compte qu'il ne bosse vraiment pas beaucoup.